early in the morning of December 4th, 2002, high above the Tasman Sea, a Boeing 747 began its slow descent toward Auckland International Airport. Passengers shuffled in their seats and pondered a Tourism New Zealand video depicting the adventures, wonders, and sense of pureness to be found in Aotearoa, New Zealand. At approximately 32,000 feet, a man stirred into action. No one about him noticed anything remarkable as he made his way to the aircraft's laboratory. This man, an Algerian academic named Ahmed Zawi, was an enemy of his home country, sentenced to death on three occasions on terrorism charges. Within the privacy of the aircraft cubicle, Zawi tore his fake passport into strips and flushed it down the toilet. Slowly, he returned to his seat, masking any anxiety. Mentally, he prepared to face New Zealand's immigration, where he would assert his right to asylum. The hours ahead set in train a rapid response. Believing Zawi was a terrorist, presenting a serious risk to New Zealand's security, customs officers, police, intelligence officials, and cabinet ministers built an argument that imprisoned Zawi without charge, pending a conclusion of the state's first security risk assessment. Almost 5 years later, at a cost in excess of 4 million New Zealand dollars, Ahmed Zawi was set free. How did the New Zealand chez ce mec, il a pris un café, il est sorti, il a eu des maux d'estomac, paf. Et pourquoi il a été éliminé? Parce que il a, avec la démocratie, il a commencé à critiquer le régime, il a commencé à critiquer le dépassement. Et il est devenu dangereux parce qu'il connaît pas grand ce qui s'est passé, parce qu'il a été alloué, il a été utilisé. For the first time publicly, Lieutenant Colonel Mohamed Samraoui, an Algerian intelligence officer who masterminded the disinformation campaign against Zawi, publicly reveals why Algeria considered and considers Zawi to be a danger. Samraoui also explained why the New Zealand intelligence services were fooled into believing Zawi to be a risk to the nation's security. Well, the most significant starting point of all this was I remember watching television of the report that a suspected high-level terrorist had entered New Zealand. And there's someone who had done quite a lot of refugee law. People still guess, who is this man, what's he going to come to do? And I am not enabled to talk to people about my project or why I come here or I can't. Sometimes I heard Radio New Zealand call back and I find myself can't reply to him, can't defend myself. It's a bit
else I can say. It's... There are many things who maybe make you forgive and forget. Especially when you make yourself try to clean yourself and try to be more. I can say the word to put yourself on religion conception, because religion every time ask about forgiveness, ask about pardon. I think it's very important to every time to talk about to reconcile with people. If you don't reconcile. Cependant, son arrivée en Europe, à partir de 1993, on a remarqué, parce que j'étais à l'étranger, j'étais en Europe, qu'il commençait à mobiliser la communauté algérienne par son charisme, par sa manière didactique, de rhétorique, de sensibiliser les uns à la cause du fils, parce que le fils, qu'on le veuille ou non, il a été spolié de sa victoire. Donc pour nous, ce bonhomme-là, à l'instar de certains autres, constituait une menace pour le régime. On dit le régime était aux abois. International qui pesait, donc il a fallu trouver un motif. Et puis on a constaté, à partir de 94, début 94, que Zawi était l'un des initiateurs de la plateforme de Rome qui allait apporter la paix. Les militaires ne voulaient pas la paix, ils voulaient d'abord se justifier et dénoncer, voilà, des raisons. Donc c'était une menace pour le régime. Donc la paix signifie qu'il allait couper le soutien extérieur aux militaires. En 1993, il y a eu l'opération Chrysanthème en France, décidée à la suite d'une manipulation en Algérie, la fausse arrestation des membres du consulat français. Ce n'était pas un kidnapping orchestré par l'islamiste, mais c'était un montage de l'ASM et de la DST. Bref, sur cette base-là, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur en France, a déclenché une opération Chrysanthème, il a interné des gens, Zawi n'était pas concerné, Zawi était en Belgique, donc on a alerté les autorités belges, les autorités de son activisme. Puisque parmi ses contacts, il y avait de tout, on ne pouvait pas contrôler tous ces contacts, on n'avait pas les moyens de police en étant à l'étranger, vous comprenez. Donc, il était imam, il prêchait la bonne voie, mais vous savez aussi qu'on connaissait parmi ses points faibles, il vivait dans la clandestinité. Donc, il n'avait pas de carte de séjour légale, c'était pas quelqu'un qui... Donc, il a demandé à
on avait appris qu'il avait demandé l'asile en Belgique. Donc pour qu'on lui refuse, parce qu'on voulait le mettre. Donc on a sali, c'est oui. Puis il y a eu des contacts avec des gens qu'on repérait, il y a aussi de la manipulation certainement. Un beau matin, la presse algérienne d'abord, qui annonce, la presse algérienne liée au service du DRS, hein. Ahmed Jaoui, chef du GIA. Et moi j'ai dit, et je le dis encore aujourd'hui, Ahmed Zawi ne connaît personne du GIA. Et je suis sûr, si vous lui posez la question, il ne connaîtra personne. Bon, et puis qu'est-ce qu'elle a trouvé, la police belge, parmi... Que Zawi avait un faux passeport. C'est vrai, c'est une infraction. On ne peut pas dire là. Ce passeport, c'est un passeport volé. Passeport danois, je crois. Si on a un faux passeport, il est forcément volé. C'est d'accord. Donc, sur la base de ce faux passeport, on lui a collé. Comment on appelle ça? Création d'un groupe subversif ou qui allait commettre des attentats terroristes, un faux usage de faux, recel de malfaiteurs. C'était uniquement. Mais c'est tout. Lui, ce qui nous faisait peur, c'était sa manière d'influencer les gens. Parce qu'il parlait bien, il connaissait le dossier, il connaissait la situation, donc il expliquait les choses d'une manière. Et il faisait adhérer les gens à sa cause. Donc, et en 94, puisqu'en 94, je me souviens très bien, c'était au mois d'août. Qui a été monté de toutes pièces par nos services à l'extérieur, et là, rédigé un tract, un communiqué, où on disait que Ahmed Zawi est ministre du gouvernement du Khalifa, il y a Mohamed Saïd, il y a Anwar al-Haddawa, tous les gens qu'on voulait qu'ils soient éjectés parce qu'ils étaient encore politiquement actifs à l'étranger. Voilà un petit peu. Et puis cette histoire-là, l'a suivi pratiquement depuis 1994. Jusqu'à aujourd'hui, si aujourd'hui on lui refuse l'asile politique en Nouvelle-Zélande, c'est à cause justement de cette sombre histoire qui lui colle derrière, alors qu'il est très 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 loin des histoires de GIA. Il n'a absolument rien à voir. Ça, vous pouvez me croire, je vous le garantis. Like perhaps Mr. Zawi, whether he's guilty or innocent, you know, he is at risk of being denied a whole swag of basic human rights. Claims that Ahmed Zawi was involved with logistics in any militant faction of anything relating to terrorism are false. Il n'a pas revenir à Ahmed Zawi. Je vous le dis, il n'avait pas les moyens. Sa situation sociale ne lui permettait pas. Vous croyez que c'est facile d'acheter des armes en Europe et de les convoyer? Les filières, c'est pas facile. Parce que les militants du FIS, parce qu'on contrôlait leurs ressources. C'est pas l'impôt. L'impôt, ça se faisait en Algérie. Les grands trafics, la grande logistique, c'était le DRS qui l'a contrôlé. Les véhicules volés, les Mercedes, les véhicules de luxe volés en Europe. Il allait, c'était pas les éléments du FIS. C'était des grands réseaux liés aux services d'intelligence. La Mercedes de Beckenbauer qui a été volée en Allemagne, elle a été retrouvée à Schleff. Un général, je ne vous cite pas son nom, il roulait avec des véhicules volés. Vous pouvez me croire à 100% parce que je n'ai aucun avantage à vous mentir. Je ne vais tirer aucun profit. Moi, je veux uniquement la justice et la vérité. Voilà mon credo sur ce point-là. Et puis,
les informations qui ont été communiquées. Et puis il fallait qu'on donne des preuves. C'est ça. Donc il a fallu montrer des procès-verbaux d'audition, des gens soi-disant arrêtés en Algérie qui mettaient en cause Zewi dans le trafic d'armes, comme quoi c'était un chef qui donnait des instructions, maquis, etc. Mais ça, on a demandé l'extradition parce qu'on a dit il est responsable de l'affaire de l'aéroport, il a mis la bande ceci, ce, voilà, il y a une condamnation à mort par contumace. Finalement, toutes les condamnations, mais Zewi, ce sont des condamnations par contumace parce qu'il ne pouvait pas être présent à son procès. Bon. Mais il n'y a aucun fait, aucune preuve qui indique qu'il est réellement, qu'il a réellement tenté d'introduire des armes en Algérie, qu'il a tenté de mettre en place. Il n'a pas tenté, il n'est pas capable de le faire. I can't think my perception about people. I can't believe that people is bad, but sometimes people they got pressure from their surround or from other interests or from lobbies or something like this. But human being inside, I think is good. I don't like to judge people, really, even the people who persecuted me or something like this. Il ne peut pas être lié ni à la logistique. C'est pour ça que je vous dis, Zewi est une victime. Il faut que les gens comprennent que c'est une victime d'abord. C'est pas... bon, son seul tort, c'est d'avoir lutté pour le fils parce qu'il croit en la cause du fils. Et je crois que l'un de ses torts, c'est peut-être parce qu'il était clandestin, de ne pas connaître avec qui, parce qu'il était imam dans une mosquée lorsque les gens venaient. On ne pouvait pas deviner si c'est un trafiquant, si c'est un professeur d'université, si c'est un commerçant. Non. Vous voyez des gens, vous leur parlez, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, si c'est des criminels, si c'est... voilà, sans savoir. Puis, je trouve légitime de pouvoir circuler, avoir un faux passeport. Peut-être moi aussi je l'aurais fait, je ne sais pas. Mais je crois qu'il a payé quand même pour cette... si on considère que c'est une faute, il a suffisamment payé. Voilà. Ahmed Zewi est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme un ennemi des généraux, donc ils lui feront payer son comportement, son action contre eux, etc. Donc pour lui, il n'y a aucune chance qu'il soit amnistié ou qu'il y ait une réconciliation ou qu'il y ait quoi que ce soit de ce genre-là. Il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois que pour lui, l'Algérie, c'est terminé.